les châteaux de sable. Exactement, aujourd'hui on va faire des châteaux de sable, mais pas des châteaux de sable comme les autres, hein, Amandine, Fantin. Et donc on vous emmène au bord de la mer, à la maison. Salut à tous. Voilà, alors de quoi s'agit-il exactement? Du Kinetic Sand. Et voilà ce que c'est. C'est du sable à modeler. Allez, hop, on ouvre la boîte et on va essayer ensemble ce sable magique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On ne sait pas encore. En tout cas, il a la couleur du sable. Allez, hop, on l'ouvre comme ça en vrac. Hop. Et boum. Voilà, ça a la vraie couleur du sable. Disons, on se voit au bord de la mer. Mais pas sur, c'est pas la plage des tropiques, hein. Alors, ça fait comme de la pâte à modeler un peu. Regardez, hop, je prends un peu de sable, j'en fais une boule. Toc. Ah, c'est bien, c'est compact. T'as vu, c'est compact. Ça, hop, hop. Voilà, ça fait une vraie boule de sable, t'as vu? Comme ça. Et après, bon, bah, on peut, voilà, la rendre friable à nouveau. Ça, c'est génial. Hein, Mantine, qu'est-ce que t'en penses? Hop là, bah. Ah, j'ai cassé ton gâteau. Ok, alors l'avantage, qu'est-ce qu'il fait d'autre ce sable? Bah, il s'effrite, mais aussi, bien sûr, il s'effrite, mais en fait, ça n'en met pas partout. Regarde, c'est génial. Ça, c'est génial pour les parents. Hop, ça n'en met pas partout. On réunit très facilement. Voilà, toc. Ça colle aussi un petit peu. Bah, ça colle un peu aux mains, mais pas. Non, ça colle pas aux doigts une fois qu'on l'a retiré, tu vois. Ça colle pas aux doigts. On dirait une sorte de sable avec de la silicone en fait. Un petit peu à l'intérieur. Ah oui, alors donc, on a quand même gardé des petits moules. On va faire quelques petites expériences avec Amandine. Tiens, voilà, t'as des petits moules. Fantin, si tu veux, tu peux prendre des moules aussi, des couteaux. Là, c'est ma fourchette. D'accord, c'est ta fourchette et ton couteau. Ok. On a pris des moules de pâte à modeler hein, pour voir comment ça fonctionne aussi avec. Mais c'est vraiment, ça donne l'impression de pâte à modeler quand même. Hein, Amandine, ça fait de la pâte à modeler un peu. C'est comme la pâte à modeler, mais c'est du sable. Génial. Alors, comment ça se découpe? Eh ben, super bien. Voilà, et alors est-ce que ça tient dans la main une fois qu'on l'a découpé? Toc. Pareil. Nickel, toc, après ça tombe, normal. Alors Fantin, toi qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as fait un Peppa Pig, il a fait un Peppa Pig avec Marie. En fait, il s'est servi du moule de Peppa Pig. Alors, c'est vraiment comme la pâte à modeler à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Amandine, on va faire un petit château de sable quand même, non? Comme à la plage. Et j'ai enlevé le ballon, moi c'est pas à mon gâteau. Non, je casse pas ton gâteau, mais moi je fais, voilà, je mets du sable dans mon petit gobelet, je vais faire comme si j'étais au bord de la mer. Alors, on avait testé un autre sable à modeler, hein, n'est-ce pas, Fantin? C'était ben, un super sand. Ah, oui. Voilà. Et ben, celui-là est vraiment quand même... Hein, c'est une autre... c'est autre chose, hein, quand même. Hein, c'est quand même un cran au-dessus, je dirais, pour le modelage, toujours. Parce que l'avantage, c'est que vraiment, hop, on peut vraiment le... On a vraiment la sensation d'être au bord de la mer. Mais attends, tu m'as cassé ma tour de château. Mais oui. Mais oui, mais non. Mais non. Ma tour de château, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, hop, j'en mets là. Non, mais j'ai plus de sable, alors moi je peux plus rien faire et vous m'avez tout pris. Ah, c'est pas vrai. Voilà, bon, je recommence ma petite tour. Hein? Non, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'avais essayé le super sand aussi, Fantin. Oui, c'est mieux. Celui-là? Oui. Ah, on est plus proche de la réalité. Hein. Du sable, toujours. Toc, et voilà, ça se démoule super bien. Merci, c'est gentil, Amandine. Hop, regarde ma tour de château. Amandine a fait semblant de boire du... Elle fait semblant de boire du café. Voilà, toc, attention, ça se démoule même plus facilement que quand on est au bord de la mer. Voilà, ouais, j'ai deux tours de château. Je peux avoir un petit couteau, moi? Je le rends, t'inquiète pas. Toc, voilà, hop. Bon, c'est vachement sympa. Hein. Ben, tu sais ce qui manque, Fantin, en fait? Papa. Tu sais ce qui manque? La mer, les mouettes, le soleil. Voilà, ils sont là. Toc, on y est. On est déjà en vacances. C'est super. Bon, hop, allez, je me fais... en fait, voilà, on peut même découper au couteau ce sable. Vous voyez, je fais des petites formes comme ça. C'est comme s'il était mouillé en permanence. Alors, pour ceux qui font de la sculpture sur sable, bah, ça doit être quand même génial, ça. Hein, pour faire ça. Pour ceux qui ont vraiment un talent de sculpteur de sable... Ah, il est beau ton gâteau. C'est ton gâteau château, hein? J'ai fait Koh-Lanta. C'est quoi? Ah, c'est une île. Une île de Koh-Lanta, il a fait. Il a fait une île de Koh-Lanta. Bonne idée.
Bravo. Ah, vous la reconnaissez, non? C'est laquelle? Il y en a beaucoup, dit. Ah, je vais essayer une tortue. Une tortue, parce que bah, forcément, elle est plus sur le... Alors, c'est difficile parce qu'ils prennent de la place dans le cadre, les deux loustiques, là. Toi aussi, ça tombe? Ouais. Ça tombe, bah, alors? Et pourquoi ça tombe? Bah, eh oui, t'as raison. Donc voilà, j'ai ma carapace de tortue. Ouais! Je vais faire ma tête de tortue. Hop là. En tout cas, comme petite activité en famille, hein, c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bien. Hein, t'adores, elle est trop bien, ce sable. Alors, Fantin, là, t'es en train de faire quoi? Une pâtisserie? Non. Ça y est, c'est Fantin, apprenti pâtissier. Non, tu fais quoi, alors? Non, je fais des vagues. Des vagues? Ah, ouais, il fait des vagues. Il a fait l'île en premier, maintenant il fait les vagues. Ah, ça marche bien, dis donc, regarde. Les vagues, mais attends, faut montrer. Parce que là, le problème, c'est qu'on voit pas. Parce que... Attends, on va voir si on peut tourner. Non, on peut pas tout tourner. Ah, dommage. Mais si... Ah, si, voilà, bravo, t'as fait les vagues. Toc. Toc, toc. Fantin, il a plein d'idées d'un coup avec ce sable. Hein, tu coupes aussi. Bon, voilà, ma tortue, toc, avec sa carapace. Voilà, elle est faite, toc, je fais les petits yeux. Et voilà. Bon, bah en tout cas, pour une tortue, j'ai fait une tortue sans moule et ça marche. Amandine voudrait que je fasse une Hello Kitty. On va voir si je peux faire une Hello Kitty. Alors, comment on va faire Hello Kitty? Bon, alors voilà. Toc, 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 toc. Bon, voilà. J'ai mon Hello Kitty. Ah, regarde, Amandine, ça te va, ça? Comme Hello Kitty? Oui, oui. Bon, ok, super. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de... Ben, on n'a pas fait le tour de ce sable, non, parce que je pense qu'ils sont prêts à jouer pendant des heures. Tant mieux, d'ailleurs, pour moi. Hein? Mais bon, on a vu ensemble un peu tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc, ben, moi, je recommande. Je recommande. Ben, on vous fait plein de bisous. On espère que ça vous a plu. Moi, je les laisse à leurs occupations parce que là, ils sont totalement absorbés. Hein, et bah, je vous dis à très vite, on vous dit à très vite, à demain, hein, pour d'autres démos. Bisous, bisous. Au revoir. Ciao, ciao.